Une surprise qui n'a pas tourné comme prévu. Ce samedi 23 décembre, alors que les élèves de la Star Academy célèbrent Noël et la nostalgie des anciennes saisons, la production avait prévu une surprise pour la jeune Elena. Au lieu de sa camarade Lenny, c'est Hélène Ségara qu'elle a vu apparaître sur le plateau pour un duo. Mais la chanteuse a connu une entrée plutôt improbable. C'est un moment de télévision qu'elle n'avait sûrement pas prévu. Invitée ce samedi 23 décembre pour surprendre la jeune Elena lors du prime de Noël de la Star Academy, Hélène Ségara a vécu une entrée en matière difficile. Hors caméra, la chanteuse est tombée et s'est retrouvée assise sur les marches. Laissant échapper un petit rire, elle n'a pas pu se relever sans l'aide de Lenny, la benjamine de l'émission, qui s'est précipitée pour l'aider à descendre les marches et à descendre les escaliers pour rejoindre Elena, émue par cette arrivée inattendue et qui avait bien du mal à retrouver ses esprits. Les deux chanteuses ont pourtant fini par terminer leur joli duo, Il y a trop de gens qui t'aiment, et par retrouver Nikos Aliagas. Et le présentateur n'a pas manqué de féliciter la maman de Matteo et Maya d'avoir, avec professionnalisme, fini sa chanson. Mais heureusement l'anecdote a fait rire la chanteuse, qui a expliqué avec simplicité que cette chute était due à sa vision difficile, une belle entrée en direct, a-t-elle d'abord plaisanté, avant de compléter, ce n'est plus un secret, je suis malvoyante, dès qu'il y a des choses qui brillent pour moi c'est très impressionnant. Il faut dire que la chanteuse, depuis quelques années, se livre sur ses problèmes de santé et n'a jamais caché qu'elle était souvent gênée par les lumières. Les internautes n'ont pas manqué cette chute et si certains ont gentiment ri de ce moment improbable, d'autres se sont montrés plutôt en colère, très franchement sachant qu'Hélène Ségara est malvoyante, la prod aurait pu prévoir quelqu'un pour l'aider à descendre les escaliers, peut-on notamment lire sur Twitter, quand d'autres ont remarqué que la chanteuse n'avait pas semblé perturbée, elle est restée digne, quelle reine. En tout cas, la chanteuse semblait ravie d'être présente, après avoir rappelé à Nikos Aliagas qu'elle faisait partie des premières à être venues, sur la saison 1. Elle a complimenté Elena et sa très jolie voix, mais aussi Lenny ou encore Pierre, deux des chouchous du public. Armand Altaï, ancienne professeure de chant et de retour exceptionnellement comme Alexia Laroche-Joubert, Kamel Ouali, Christophe Pinaa ou encore Oscar Sisto a semblé conquise, très frais, très beau vibrato, a-t-elle commenté. La soirée de Noël commence bien, en tout cas.